bien bonjour à tous, je suis très très heureux de vous retrouver pour un nouveau trip sur la page YouTube Fox France. On va se retrouver sur un trip en Grand Lac. Ça fait très longtemps que j'ai pas pu y aller parce que vous connaissez les conditions sanitaires. Donc je suis super super content de me retrouver sur un Grand Lac dans le sud de la France. C'est vrai que moi, depuis, ça fait très très longtemps que je pêche la carpe, depuis la fin des années 80, 89. Hein. Et pendant des années, j'ai pêché les grands lacs en mode baroud et notamment les grands lacs alpins. C'est ce qui m'a fait adorer cette pêche. La découverte des grands espaces, c'est quand même une émotion, une sensation particulière de chercher ces poissons dans des grands grands lieux. Et c'est vrai que ces pêches-là, c'est ce qui me fait dresser les poils. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et ça faisait longtemps que je n'avais pas pu le mettre en œuvre. Ici, on est sur un lac qui fait un peu moins de 600 hectares, mais c'est déjà un très très beau lac. Il est haut, donc il est vraiment pas loin de sa côte maxi. Donc il y a plein de possibilités. Il y a de quoi se gratter la tête et d'essayer plein de choses. Et je trouve que faire un poisson dans ces lieux-là, c'est pas une aiguille dans une botte de foin. Tout le monde arrive à faire des poissons à un moment donné, mais c'est une vraie satisfaction d'aborder ces lieux-là. Et puis, on a un sentiment de liberté qui est exacerbé de mon point de vue. C'est se poser au bord de ces lacs-là quand on sait qu'on a des spots qui pêchent et attendre et voir un poisson marsouiner, c'est quelque chose qui fait battre le cœur pour moi beaucoup, beaucoup plus fort que si j'attaquais à un plan d'eau plus petit, quoi. C'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, je me répète, mais c'est pour ça, en fait, que moi, j'ai continué la carpe pendant longtemps et que je continuerai à la pêcher. Donc ce projet Grand Lac, ça fait un petit moment qu'on réfléchit parce que les Grands Lacs, c'est moi quelque chose qui m'inspire et qui m'a inspiré lorsque j'étais jeune. Donc on y a réfléchi pas mal de temps avec Mathéo et puis voilà, c'est concrétisé. Hein, on s'est retrouvé il y a peu de temps. On a décidé de faire la route à deux. Ça c'est pour le chauffeur, qu'on arrive plus vite. On a hâte. Le soleil n'est pas au rendez-vous, il fait 19 degrés, 18 degrés, ça vient de descendre. Le lac a l'air très haut, on a hâte d'aller voir justement s'il y a des pêcheurs, et puis voir comment on peut faire pour mettre à l'eau et être efficace assez rapidement, parce qu'il est déjà quasiment 17h20. Ils annoncent de la pluie et des orages, donc on va essayer d'être efficace, et on va aller voir ça tout de suite. Alors ça y est, la corvée des bateaux à charger est terminée, donc voilà, on n'a pas pris la pluie, ça tient. Bon, le temps est bizarre, hein. on est en été et il fait un temps un petit peu bizarre. On constate en arrivée que le lac est très très haut, donc on avait l'intention dans un premier temps de s'installer sur un petit îlot et finalement il y a de l'eau dessus, donc on va être obligé de changer nos plans. On va aller voir un petit peu sur une bordure qui est pas très très loin de l'île, enfin 600-700 mètres de l'île quand même, je pense à peu près, à vol d'oiseau pour voir s'il y a un poste pour s'installer parce que je pense qu'il y a des choses intéressantes à pêcher. C'est que c'est pas évident sur ce lac. Le cheptel, je le connais pas vraiment. Je sais que c'est assez dur en fait de faire du poisson, hein. Voilà les échos que j'ai. Donc voilà, on a choisi ce secteur du lac parce qu'il avait pas mal d'éléments à pêcher, il permettait une orientation assez sympathique aussi. Et on se dit dans un premier temps pour essayer, voilà, on va partir sur cette zone-là et puis on va voir ce que ça va donner.
Hier soir, j'ai mis trois cannes rapidement jusqu'à la tombée de la nuit, même deux nuits pour la dernière. Malheureusement, ça n'a pas fait de poisson. Je me suis aperçu ce matin que je pêchais entre guillemets à crédit, c'est-à-dire que voilà, les cannes ne pêchaient plus. Donc, premier indice, certaines grignotées, d'autres plus d'appâts. Donc, il va falloir bâcher les appâts pour que ça puisse pêcher, ou en tout cas trouver des appâts qui pêchent. Réveil le premier matin, on profite d'un magnifique lever du jour. Et là déjà dans la tête, on se met à échafauder des stratégies. Donc bon, les cannes avaient été posées un petit peu rapidement la veille. Donc là, j'en profite pour justement aller chercher des belles zones. Pêche des jaunes entre 4 mètres et 8 mètres de profondeur, donc je vais chercher surtout les poissons. Donc je vais pêcher en spot, à la bille pure. Je fais le choix de pêcher à la bille pure pour essayer de sélectionner les beaux poissons. Donc c'est la stratégie que j'ai choisi de mettre en place. Après, avec des spots diamétralement opposés en termes de distance, en termes de substrat, fond de baie, je l'ai déjà dit, hein, avec des routes qui se croisent. Voilà, les cannes sont posées correctement à partir de midi, on en profite et là on se dit ça y est, la pêche se met en place, on va voir ce qui se passe, on sait que les poissons ne se manifestent pas trop. La chance de voir un poisson monter dans l'après-midi en plein milieu. Donc là déjà ça met de l'espoir. Et puis le soir, on cuisine, il fait nuit, on commence à cuisiner. Et là, premier run, première touche. Ah. Touche. Oh, attention. Vas-y. Ah, c'est chaud quand même. T'as mis les gars, ouais. Première touche tombée de la nuit. On avait un poisson sauté à l'opposé, mais là, tout droit dans les pots à mots. Je pêchais juste devant. J'espère qu'elle nous attend sagement dedans parce que y a quand même une distance. Mais là, ça fait trop plaisir. Ça fait trop plaisir. Pour l'instant, je sens pas grand chose. Je vais continuer de prendre du fil jusqu'au moment où on est monté dans le bateau. Donc... yes. C'est parti. On arrive sur la zone du poisson. Hop là, ça a décroché un truc. J'ai
sais pas ce qu'il y avait, mais c'était... Attends, stop. Poisson qui m'attendait sagement. On va essayer de pas le louper. Eh, il a pas fait de combat. C'est pas grave. Ah, yes. Top là. Yes. Génial. Oh. Pas fait de combat, mais je pense qu'il est aussi surpris que nous de nous voir arriver. Ah, il est beau, poisson. Beau fiche. C'est un fiche. Ah, il y a un beau fiche. Bicolore. Ouais. Eh ben super. Eh, moi qui étais impatient pour tout avouer, j'étais impatient de faire une touche quand même. J'avais vu un poisson, je sais qu'ici c'est pas facile. J'étais impatient de faire une première touche, mais cette zone elle m'inspirait vraiment, donc ben voilà, c'est, là tu coches deux cases à la fois. Une déjà qui te dit bon bah tu fais un poisson, donc ça c'est cool. Et en plus sur la zone que tu espérais pêcher dès le début. Donc ça fait deux cases de validées, on va pouvoir mettre un petit peu plus d'appât si les poissons sont actifs. Pour voir bah justement s'il y en a 2-3 qui traînent avec elle régulièrement dans la zone, bah c'est de bon augure pour la suite quoi. Enfin, pas porter la poisse, mais en général, c'est quand même de bon augure quand tu trouves un spot en grand lac qui commence à tourner quoi. Surtout qu'on n'a pas vu un seul saut ou quoi que ce soit, c'est juste la zone qui m'a inspiré par rapport à la configuration et puis bah, au fait qu'il y a un type d'herbier hein, qu'on appelle j'appelle les potamos là, c'est souvent des herbiers qui sont gagnants sur ce genre de lieu et voilà, bah, ça se confirme. Poisson qui est pas très long, mais qui est épais. Un beau fiche bicolore. Allez, on va refaire cuire les steaks. C'est parti. À cette séance de tir au but, c'était, on s'en souvient, Saint-Etienne en 8e de finale en 2016 contre la Pologne. Il n'en avait pas arrêté un seul et la Pologne. Là, il y a l'enjeu. Là, les Français sont au tir au but pour passer en quart de finale. C'est chaud. Ouais, j'avoue qu'ils s'en tirent bien quand même, hein, parce que les Suisses sont au taquet. On va voir. Non mais c'est sympa, moi j'aime bien ces moments-là. On va voir ceux qui ont du mental, puis ceux qui n'en ont pas. Alors déjà hier soir, première bonne surprise, première partie de nuit, pendant qu'on était en train de faire à manger en même temps. Il faisait bien nuit, on regardait le match, voilà, c'était assez sympa. Et là, premier départ sur la canne qui est postée là plus loin, sur une zone que je vais vous parler après là. Comme elle était à un peu plus de 200 mètres, bah, il faut le temps d'aller dessus, mouliner, et savoir si le poisson est toujours là. C'est toujours les premiers bons moments où ça bat un peu fort. Donc ça, c'était vraiment sympa. Et puis, on a vu une belle miroir qui nous attendait. On l'a cueillie un peu, je pense qu'elle a été surprise. Et voilà, premier beau poisson à un peu plus de 17 kg, magnifique, bicolore, super fiche. Premier spot validé, j'ai envie de dire, celui-ci sentait vraiment le poisson et voilà, ça s'est retrouvé. On sait que c'est des aimants à carpe hein, la plupart du temps les potamos, donc super. Premier coup d'adrénaline, en plus on le concrétise, le poisson dans l'épuisette, donc génial. Ensuite, deuxième partie de nuit un peu plus calme et sur le matin, tout début du lever du jour, j'ai une touche sur un spot diamétralement opposé, un fond de baie, une petite commune que malheureusement j'aurais pas pu tenir lors de la séance photo. 3, 2, 1, 0. Et puis bah, juste après, une petite heure après, on a une troisième touche là sur un spot encore une fois complètement à l'opposé, sur une route immergée,
Et là, de nouveau, un beau poisson à plus de 17 kg avec des belles écailles, une belle couleur. Dans 7 mètres d'eau, ça change la vie. Ouais. C'est bon ça, il n'y a que le bruit des oiseaux et du moulinet. Finalement, pour vous expliquer un petit peu, on a une zone un peu plus loin où on a des herbiers, donc des potamos, je ne reviens pas dessus, avec un petit haut fond, on pêche devant, une zone que j'ai amorcée depuis hier midi et qui a donné le premier poisson le soir même. Donc voilà, celle-ci est validée et j'espère qu'elle va nous rapporter d'autres poissons. Et un fond de baie où là, en revanche, c'est pêché à crédit la première nuit, donc j'ai bâché les appâts, on a réussi à faire tenir un petit peu plus les montages. Ce matin, touche sur la commune. Donc là, c'est vraiment un fond de baie avec beaucoup d'arbres dans l'eau. Il y avait beaucoup d'alevins, il y avait beaucoup de poissons blancs qui mouchaient le soir. Donc on voyait qu'il y avait de l'activité. Donc ça s'est transformé aussi avec une belle commune, donc ça fait bien plaisir. Et puis dernier spot, alors lui, complètement à l'opposé, puisqu'on est sur une pointe, on peut pêcher vraiment très large, c'est l'avantage. On a une route immergée avec des souches le long de cette route, avec un tombant qui fait plus de 3 mètres. Hein. On passe de 10 mètres et on monte à 7 mètres. Donc super intéressant à pêcher. Et là, dernier poisson pris ce matin sur cette route. J'ai pêché au-dessus, j'ai décidé de pêcher sur le dessus. C'était bien dur, bien propre, bien m'en a pris visiblement, puisque une super miroir. Alors ce qui est intéressant, cette miroir, c'est que j'ai constaté qu'elle avait des appâts, qu'elle avait consommé des appâts qui étaient sur d'autres spots. Et notamment un spot qui n'a pas déroulé, sur lequel je crois fort, mais c'est le spot qui n'a pas déroulé. Et pourtant, le poisson que j'ai fait, le dernier poisson du matin, et bien lui, il avait consommé des appâts sur ce spot, mais je ne l'ai pas piqué. Donc là, pour moi, le challenge dans la suite de la session, ça va être déjà cet après-midi donc d'ajuster cette hauteur d'eau, de continuer d'entretenir les autres spots qui fonctionnent, et surtout d'essayer de trouver finalement pourquoi sur cette zone, ben, j'arrive pas à faire de poissons alors que les poissons semblent y passer. Super run, fin d'après-midi là, canne pour reposer dans l'après-midi sur une zone que j'avais amorcée fond de baie, c'est une petite commune. Malgré la distance de sécurité que j'avais laissée pour l'obstacle, elle a réussi à l'atteindre le temps d'arriver sur la canne. Donc je suis pas monté tout de suite dans le bateau parce que c'est l'erreur, ça leur permet d'avoir l'inertie de rentrer encore plus dans l'obstacle. Donc contrée du bord,
réussi à la sortir un petit peu des obstacles du bord une fois qu'elle était dans la baie. Là, faut prendre le bateau parce que il y a des obstacles de partout, gauche et droite, c'est pas très large. Missile qui a voulu rejoindre les obstacles à toute vitesse. Il était temps d'arriver sur la canne et puis réussi à l'extraire avant de monter dans le bateau. Puis derrière, c'était pas terminé hein, parce qu'elle a quand même cherché à aller un petit peu dans tous les obstacles du coin. Et puis elle a vendu cher mon chapeau jusqu'au dernier moment. Et ben ça fait super plaisir ça après une journée un petit peu calme. Zone amorcée hier. Voilà, je pense qu'elle était piquée assez profondément donc. Les poissons, signe que les poissons se nourrissent en confiance. Donc bah voilà, c'est de bon augure pour la suite, en tout cas j'espère. Et puis si jamais il y a d'autres poissons du même style ou d'un gabarit un peu plus supérieur qui veulent venir, moi, ça sera avec grand plaisir. Voilà, c'est le top. Non, franchement, on se régale bien. Petit fond de baie plein d'obstacles. Ça sentait le poisson quand même. Hein. Alors je vais vous présenter le montage que j'utilise ici en Grand Lac, hein, savoir le multi-rig. Donc globalement c'est un montage qui est intéressant à plusieurs titres parce que un, il est facile à mettre en œuvre, facile à réaliser et surtout si jamais la pointe à un moment donné de votre hameçon s'émousse, il est très facile de changer uniquement la pointe sans changer la totalité du bas de ligne. Donc ça pour moi c'est un des gros avantages surtout en Grand Lac si on doit refaire son montage ou changer juste l'hameçon lorsqu'on est sur le bateau. Alors il se compose de différents matériaux, moi ici j'utilise une tresse gainée, parce que finalement il va y avoir une partie rigide sur la première partie du côté émerillon et plomb et une partie beaucoup plus souple autour de l'hameçon. Donc pour ça j'utilise de la Cortex Mat, ici en 35 livres, hein, assez résistant, puisqu'on est en Grand Lac, il y a des obstacles, donc d'où l'intérêt d'avoir un bas de ligne assez costaud. Ensuite, une fois que vous avez réalisé votre partie souple, vous allez mettre un alinéa, en fait, un alinéa qui va venir prolonger finalement la hampe et qui va permettre de basculer, en fait, au montage de basculer correctement et de venir se piquer. Donc l'alinéa il a tout son sens hein, aussi dans ce montage. J'utilise un wide gap straight au niveau de l'hameçon. Alors pourquoi straight? Parce que l'ouverture de cet hameçon, je trouve qu'elle est idéale. Ici on est sur un grand lac avec des fonds relativement meubles. Il n'y a pas beaucoup de cailloux. Donc je peux me permettre d'avoir des pointes droites. D'habitude j'utilise des pointes 30-30 lorsqu'il y a des cailloux, mais ici je vais utiliser une pointe droite, ça prend tout son sens. Et également un petit swivel avec un ring collé dessus, directement intégré au swivel, qui va permettre lui de pouvoir changer l'èche et adapter la taille de l'èche en fonction de ce que vous allez mettre. Moi ici je vais beaucoup utiliser ou des pop-up ou des montages équilibrés, donc ça permet de changer rapidement et surtout qu'il soit bien inséré dedans, qu'il ne bouge pas si jamais il y a des écrevisses. Enfin dernière partie très intéressante pour moi, c'est le petit swan qui va venir faire le basculement du montage si vous pêchez à fond et qui va permettre de proposer une présentation décollée si vous pêchez hein, donc en flottante. Ce swan, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir choisir à quelle hauteur on va le mettre, on va pouvoir le faire glisser ou plutôt sur la partie rigide ou sur la partie souple. Pourquoi ici en Grand Lac je mets quelques centimètres? Bah, tout simplement parce qu'il y a toujours un petit peu, sur les fonds meubles, il y a toujours un peu de dépôt. Donc l'objectif justement, c'est de pouvoir s'adapter et que le montage reste pêchant lorsqu'on va le déposer, qu'il y a du vent, si jamais on tire un petit peu dessus, voilà, il faut que ça reste pêchant. Donc voilà, c'est un montage qui est très intéressant parce qu'il peut s'utiliser, il peut s'adapter en termes de flottaison. Il peut s'utiliser équilibré, il peut s'utiliser en flottant, mais aussi il peut s'utiliser sur le fond. Donc c'est vraiment le côté couteau suisse, entre guillemets, je peux m'adapter à toute situation pour qu'il réponde justement à la plupart des situations qu'on peut rencontrer en Grand Lac. Alors voilà, si on regarde un petit peu ce qui s'est passé sur les dernières 24 heures, on se rend compte qu'on est typiquement en Grand Lac. Hein.
C'est-à-dire que bah, y a pas mal de changements, déjà changement de météo. On n'a pas fait trop de poissons, on fait que des petits poissons dans un fond de baie. On se retrouve avec une touche assez loin et cette fois-ci souchée. Dans le vent, on a essayé, on a réussi à dessoucher une fois et sur la deuxième, on n'a pas eu le temps de tirer que ça a cassé. Voilà, les poissons ont l'air d'avoir bougé. C'est typique des grands lacs en fait. C'est-à-dire que d'un seul coup, hein, ça passe sur off ou ça passe sur on. Laquelle? Tu vas. C'est laquelle? Je sais pas. Orange, au fond là-bas. Ouh. Ça y est, elle est dedans. Celle-ci, elle a un goût particulier. T'as même de la terre sur le visage là. À tout point de vue. Ah bah, non mais j'ai la tête qui a été sous l'eau. Alors je sais pas si on verra la cascade. Mais alors le niveau baisse, il y a une glaise. Touche, en plus ça rate des obstacles, ou pas très très loin. Du coup faut quand même être assez réactif sur la canne. J'étais vite sur la course, mais entre le moment où je me suis arrêté et le moment où j'ai pris la canne, j'ai fait un beau vol plané. Bref, jolie commune. On va la regarder. Mais voilà, petite commune. À ras des obstacles. In a wild chase across the highways, mountains over seven states. Found a man at the harbor, said that. Là, on voit clairement qu'à part dans le fond de baie, qui est une zone particulière, on continue à faire des petits poissons. Sur le reste des spots, c'est compliqué. Et là, on a la sensation que les poissons ne sont plus forcément dans la zone. C'est typique. Je ne connais pas vraiment le cheptel, mais souvent sur ces grands lacs, on a ce qu'on appelle bah, des bancs et des mouvements de poissons qui sont constants, surtout quand les eaux sont chaudes. Et donc, c'est des poissons qui sont très opportunistes. Donc si vous êtes placé au bon endroit et qu'il y a suffisamment d'appâts, vous allez pouvoir les détourner un petit moment. Mais quoi qu'il arrive, ces poissons continueront leur route. On va bien sûr s'appliquer parce que ça reste... quand ça devient dur, on a souvent tendance à négliger un petit peu ou se dire « bon bah mince, je laisse le spot, tant pis, j'y retourne pas, je réamorce pas ». Mais finalement, c'est là où il faut garder un petit peu le moral et se dire « Allez, je m'applique, je continue de chercher, peut-être des nouveaux spots, une nouvelle profondeur d'eau, je continue d'entretenir une zone. » Parce que quand ça va passer sur on, il va falloir être prêt et que les cannes soient pêchantes, évidemment. Ça serait dommage de passer à côté des poissons. Donc là, on s'est appliqué, on a reposé ça correctement. Les conditions sont sympas, donc on garde le moral et puis bah, j'espère que justement des poissons vont venir visiter ces spots et que cette fois-ci on aura un face-à-face sans accrochage pour les mettre au fond de l'épuisette. Yes, santé. Tintine. Allez, au prochain poisson. En fait, c'est pas un blanc. C'est que sur cet amorçage que j'espérais depuis le début. Alors. Là, il y a rush.
Ouh. Allez. Yes. Yes. Gardez espoir. Ce que je disais tout à l'heure. J'ai pas changé la zone, j'ai dit tant pis, je continue. J'ai amorcé la zone, il se passe rien. Continuez. Changement de substrat, pêcher un tout petit peu derrière l'amorçage sur une zone un peu plus molle. Yes! Ça, c'est bon, ça. Donc concrètement, ce poste, il nous a rapporté un bon nombre de touches. Hein. On s'est bien régalé, je me suis bien régalé. Des touches un petit peu à la fois dans le fond de baie, également sur un plateau avec des potamos qui était le spot qui m'a rapporté le plus de poissons. Regardez ce missile sur une zone que j'avais décidé de laisser tranquille, j'avais ramorcé cette nuit, levé en pleine nuit pour remettre des appâts, ce matin pour caler la canne correctement. Il reste peu de temps sur cette session, mais j'espère que ça va. On va être récompensé de tous ces efforts, parce que les grands lacs, c'est ça, c'est aussi souvent des récompenses, c'est des galères, mais c'est aussi des belles récompenses, la preuve. Et puis le croisement de route, il y avait une route immergée avec un tombant d'un plateau où là, c'était compliqué de faire du poisson, mais j'y croyais bien et j'ai fini par reculer un petit peu les montages dans les souches et j'ai réussi à faire quelques poissons. Donc franchement, on en a bien profité, ce poste, il est magnifique. Il a une belle ouverture de pêche, on peut faire les photos dans l'eau avec les saules immergés. On a passé un super moment. Super poisson. Alors, je parlais hier soir de garder le moral en Grand Lac parce que justement on n'avait pas eu de touche la journée. Le spot que j'avais entretenu depuis le début là, un petit peu en plein milieu, à une intersection de plateau et de chemin, sous l'eau, immergé dans 6 mètres d'eau, 6 mètres 50. Et bien voilà, touche cette nuit, dessus, première touche. Un beau poisson tout en longueur, un combat tout en force. Voilà pourquoi il faut garder espoir, continuer à entretenir ces spots et puis s'appliquer dans la dépose. Ça paye.
Bref, voilà, ce poste, il m'a quand même bien régalé. En plus, photo dans les saules immergés avec une couleur d'eau magnifique. C'était vraiment un régal. Mais pour autant, le nombre de touches commençait à s'espacer. Étant donné que c'est une grande surface d'eau avec des structures à pêcher, j'avais la sensation que c'était plus des poissons de passage et pas vraiment des poissons qui se tenaient sur une zone. Donc le nombre de touches commençant à diminuer, pour moi il était temps d'essayer d'aller voir ailleurs sur le lac. Donc voilà, c'était la corvée, hein, de tout replier, tout remettre dans les bateaux et puis jeter son dévolu sur une nouvelle zone. Donc on a traversé le lac et on est arrivé sur une nouvelle zone où en tout cas il fallait bien sûr explorer, mais j'avais la sensation que sur cette zone-là, ça ressemblait plus à une zone de tenue des poissons, en tout cas dans mon esprit. Puisqu'on avait à la fois le côté nourriture, le côté sécurité et le côté oxygénation. Donc j'ai jeté mon dévolu sur cette zone. Et puis par contre, voilà, de nouveau, quand on arrive sur la zone, il faut tout redéballer et surtout reprospecter pour partir à l'aventure et essayer de construire le puzzle petit à petit. Donc c'est ce qu'on a essayé de mettre en place en arrivant. En arrivant tout de suite, on a une atmosphère en tout cas d'arriver dans une baie où il y a d'avoir des poissons, mais pour autant, on a quand même 24 heures, il y a une inertie de 24 heures comme sur le premier poste. Alors là, depuis cette nuit et ce matin, c'est le déluge de flotte là. Là, on est content d'avoir le social shelter parce que on peut se mettre debout, on peut manger, rester à l'abri, regarder si ça saute, le top. Là, on est bien. Mais il ne s'est rien passé pendant 24 heures. En revanche, à partir du moment où les poissons ont commencé à rentrer sur les spots, là, ça a été vraiment très, très régulier. Un petit peu la folie au début, on a enchaîné les touches. J'ai enchaîné les touches avec parfois des touches assez rapprochées. Changement de poste, changement de zone sur ce grand lac, changement payant, une petite douzaine d'heures pour trouver les spots, bien entendu, parce qu'il faut prospecter, on est sur une zone où il y a beaucoup d'obstacles, il y a aussi un lit de rivière qui passe, il y a beaucoup de blocs rocheux, il y a des souches, enfin c'est super intéressant à pêcher maintenant, où mettre les cannes, donc ça prend un petit peu de temps, mettre en confiance les zones. Et la première touche, extraordinaire, une commune couleur, taille, écaillage parfait, enfin voilà, un vrai régal. C'est vrai que quand on change de poste, c'est toujours un peu le risque, mais là, c'est payant, c'est génial. J'espère que c'est que le début, mais je me régale, vraiment. Tout en longueur, regardez ces couleurs. Un petit peu rosé là sur la bouche, ça doit manger des écrevisses orangées, la queue aussi. Quand on voit les écrevisses qu'il y a ici, on comprend qu'elles doivent se faire des belles frénésies. Allez. Joli dos. Super poisson. Pouah, j'adore. Donc comme on dépose les cannes en bateau, ça demande une organisation parce qu'on fait une touche, on met un poisson, on fait les photos, pendant ce temps-là il y a touche de l'autre côté, enfin ça devient vite un petit peu la folie avec des poissons franchement magnifiques. Tout en longueur, avec une ligne d'écaille extraordinaire. Thank you.
assez dingue en Grand Lac quand d'un seul coup, ça se met sur on. Je sais pas pourquoi. Les poissons se mettent en activité, c'est génial. Oh, le kiff total. Tête. Voilà. Les poissons qui sont cueillis en plein eau, ils sont surpris. Ils voient le bateau. Nouvelle touche sur la deuxième canne qui était dans une autre zone et voilà, bah là c'est encore plus un trésor. Vous allez voir ce poisson de dingue, regardez ça, un super poisson avec un écaillage comme j'ai pas souvent l'habitude de faire, semi-linéaire, deux couleurs, poisson avec une grosse tête. Oh là là. Allez, profite encore quelques secondes. Et puis il est temps d'aller replacer les montages. Et puis elle, on va lui faire regagner son milieu. Donc là, on se dit que le changement de poste, il est validé. Donc maintenant, il faut bien sûr ensuite entretenir, continuer à mettre des appâts, faire en sorte que les fils ne se gênent pas, que les poissons puissent continuer à naviguer, parce que quand les poissons sont présents, ça demande aussi de faire attention, pas faire trop de bruit, et les angles de pêche sont importants pour que les poissons puissent continuer à se nourrir correctement. Et là, c'est un vrai régal, quoi. On enchaîne les touches et on se dit qu'est-ce qu'on a bien fait de changer de poste. Voilà, deuxième poisson du début de soirée. Touche à peu près à 30 minutes d'intervalle à peine. Alors un poisson tout en longueur, pas très très gros, mais un peu arraché la canne du support. Vas-y. Oh, un départ de feu là. Il vient juste de retendre la dernière canne. Départ de feu avec un ciel de feu. L'ambiance des Grands Lacs. Ah, quand tout s'aligne, que les poissons sont au rendez-vous, que la météo est changeante, et que les poissons continuent de s'alimenter. Génial, voilà le run de fou. J'espère qu'elle n'a pas pris leur paix. Beaucoup leur paix. Traverser la baie en surface. Vitesse où il déplace le fiche, t'as vu ça? Incroyable. Je crois que la dépression a mis les poissons vraiment sur on, et alors sur oxygénation, ils sont vraiment vraiment puissants dans les combats là. Yes! Encore un joli fiche. Oh là 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 là, ça devient. Oh, ça devient. C'est un bonheur fou, quoi. Bonheur fou. Là, trois touches en une heure et demie. Et alors, que des beaux poissons.
Regardez ça encore. Elle m'a mis un combat de furieux et elle en donne encore. Quel fiche encore! Regardez ce fiche, magnifique! Un fiche un peu plus gris que les autres. Mais alors, voilà quelle épaisseur! Et surtout, un poisson qui est tout en muscle, hein. Purée! Quel combat! Voilà, c'est du bonheur à l'état pur. Des moments comme ça. Allez, on profite du beau soleil du matin pour relâcher cette pépite. Encore un super poisson. Wow, un poisson bien épais, un beau fiche de grand lac. Ça change, entre hier, on était sous la pluie hier matin. Là, c'est magique. C'est encore plus magique quand il y a le soleil comme ça, là, qu'on profite de ces instants. Donc le triptyque sécurité, nourriture et puis oxygène, c'est vraiment le cocktail pour moi qui va déterminer la zone. Et ici, on arrive sur une zone alors qui est très intéressante parce qu'il y a une baie d'un côté avec une arrivée d'eau en fond de baie. Et puis, il y a un lit de rivière qui est jonché d'obstacles et de nourriture naturelle qui ensuite s'élargit sur une zone beaucoup plus large et plus profonde avec encore un lit de rivière qui se dessine et puis un pont immergé avec... des souches un petit peu tout le long de cette rivière et également des gros blocs rocheux. Et autour de cela, en fait, ça s'élargit avec des zones plus molles, des zones plus dures, des petits plateaux qui sont plus ou moins marqués. En fait, c'est vraiment très très intéressant à pêcher, ce qui permet d'ouvrir la pêche et de ne pas concentrer ses cannes que sur quelques hectares, mais plutôt d'ouvrir la pêche dans la largeur et d'essayer de comprendre d'où viennent les poissons et où est-ce qu'ils sortent. C'est vrai qu'il y a l'air d'avoir des pics d'activité quand même, hein. C'est pas toute la journée. Mais en tout cas, on sait que le soir, c'est un super créneau. Les poissons ont l'air soit de rentrer, soit de sortir dans la baie parce que les cannes partent. À peu près toutes les cannes arrivent à partir. Et le matin, on peut quand même aussi faire une touche ou deux. La journée est plus calme, mais ça dépend. La pleine eau a l'air aussi être intéressante en pleine journée, comme si les poissons peut-être allaient chercher, naviguer, aller nager un petit peu ailleurs la journée que plutôt dans cette baie. We'll be right back.
Bon ben voilà, hein. Les grands lacs, c'est aussi les frustrations. Et là, après une vingtaine de poissons depuis le début de la session, pas une décroche, mais ben voilà, ça arrive au même moment. Je pense que c'était un très très beau poisson. J'ai pu l'apercevoir. C'était lourd, c'était... voilà. Bref, nouveau spot, donc intéressant parce qu'on n'arrivait pas forcément à toucher des poissons en plein après-midi. Donc là, trouver un spot qui déroule, c'est génial. Après, louper un poisson de cette taille-là, c'est toujours frustrant. Parce que celui-là, à mon avis, il ne va pas se renourrir tout de suite sur la zone. On va quand même, j'espère qu'elle n'est pas toute seule. Voilà, que c'est, des fois, les gros poissons sont avec 3-4 sujets. Essayer d'aller reposer rapidement, voir s'il n'y en a pas une autre qui est en train de s'alimenter. Mais c'est les boules. C'est la pêche, mais ça, c'est... faut l'accepter. Je suis relativement satisfait de cette session. Dans des conditions qui étaient fluctuantes, on a eu de la météo, une météo très changeante. 31 degrés, de la pluie, après très très froid, du vent, des conditions qui sont un petit peu bizarres pour la saison. Mais pour autant, les poissons sont restés mordeurs, donc ça c'était vraiment le point positif. Il fallait être organisé parce que les pics, il y avait des pics d'activité. Alors on va bientôt arriver d'ailleurs à un pic d'activité et il faut être prêt, il faut être organisé, il faut avoir un bon moteur, il faut avoir le bateau avec un kit à l'intérieur pour pouvoir reposer les cannes. Bien sûr, mettre le gilet de sauvetage parce qu'en grand lac, on ne sait pas ce qui peut se passer. Donc il faut quand même être prudent par rapport à tout ça et être prêt à affronter ces conditions-là. Voilà, quoi qu'il arrive, ce lac qui m'a, je pense, montré quelques belles pépites. J'espère que ça vous aura donné envie d'aller affronter les grands lacs. Hein. Là, il reste quelques heures de pêche pour me concernant sur cette session. Et je croise les doigts pour que... Allez, je sais qu'il y a quelques géantes qui nagent ici. Si je pouvais en croiser une pour vraiment finir en apothéose, ça serait vraiment le kiff total. Là, elle rentre sur les billes au fond. Quelqu'un qui est resté peu productif pendant un petit moment. On va pas tarder quand même. Faire sortir un petit peu la zone dangereuse. Là, on est vraiment dans un pic d'activité, d'où l'importance d'être prêt. Hein. Déjà, le waders, le gilet, ça permet de gagner du temps. Pas enfiler tout ça à la touche. Enfin, une fois qu'on sait à peu près les heures des touches. Et là, vraiment, début de soirée, là, c'est la deuxième touche. On a un poisson en sling qu'on vient de faire il y a à peu près 20 minutes. Reposé qu'avec quelques billes, parce que j'avais que quelques billes dans le bateau. Et ça enchaîne. Hein. Je pense que je vais bientôt être à court de billes. C'est dommage. Enfin, on va quand même utiliser tout jusqu'au bout. On va déjà se concentrer sur ce poisson. On va arriver dessus.
à toute heure de l'autre. J'aime bien les poissons qu'on ne voit pas tout de suite, qui sont lourds, qui ne veulent pas monter en surface. C'est en général signe que c'est un joli poisson. Ça n'énerve pas, ça joue sur son poids. L'angle n'est pas bon, mais ça a l'air vraiment lourd quand même. Ça a vraiment l'air lourd. Plus lourd que tout à l'heure ? Je sais pas, mais à l'aplomb, c'est lourd. Oui, mais... difficile à dire. Gros placard. Mets un coup de moteur, mets un coup de moteur, Max, s'il te plaît. Mets un coup de moteur. Encore, 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 encore. Oh, yes, yes. Putain, ça c'est bon. Oh, big common. Yes. Oh putain. Oh là là. Oh purée, j'ai senti tout de suite l'agile, faut pas rigoler, chef. Je dirais que c'est un poisson peut-être dans les 26-27. Ouais, enfin, c'est difficile à dire dans l'eau, mais... ouais, c'est un super poisson. Je parlais de cerise sur le gâteau. Voilà, bah là, le gâteau, il est beau, et puis la cerise, elle est juste magnifique, quoi. Ah, c'est ça, c'est bon, ça. Voilà, la magie des grands lacs. Jusqu'au dernier moment, s'appliquer. Putain. Je suis content pour toi. Ah, putain, c'est énorme. Ah, c'est énorme. C'est énorme. C'est juste un bonheur, hein. C'est un rêve qui devient réalité. Hein. J'avais déjà fait des très gros poissons miroirs en Grand Lac. Et là, c'est ma première très grosse commune parce qu'elle prend tout le tapis. C'est juste énorme. Regardez. Regardez ce qu'elle a mangé, là, madame. Un petit mélange. Un petit mélange Red Angel, Red Devil. Ah, c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. La 5, 6, 5, 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 ça touche pas en bas? Non. Magnifique. Pour ce poisson de malade. Voilà la récompense absolue. Je vais vite aller reposer la canne, on va la laisser récupérer. Je vais reposer la canne parce que s'il y a d'autres poissons de ce type là. Et on fait les photos juste après en espérant que la météo soit avec vous. C'est pas terrible. À ce moment de dingue, les conditions passent un petit peu à la tempête, du vent, de la pluie, et là pour une touche, mais regardez-moi ce poisson de fou. Yes, énorme. Là c'est rentré dans le water, je te remercie. Ha ha ha.
sous la pluie. Waouh, 28 kg de puissance. La session est maintenant terminée, nous sommes en train de plier, tout charger dans les voitures. Et puis on aura quand même bien profité de cette magnifique session sur ce grand lac qui a été riche en action et puis riche en émotions aussi parce que jusqu'au bout, on a espéré une géante d'ici et j'ai eu la chance d'en prendre une. Donc c'est vraiment une super session pour moi avec deux lacs différents à pêcher, deux parties différentes. Je me suis régalé. J'espère que vous apprécierez, que vous avez passé un bon moment en regardant cette vidéo sur ces grands espaces avec toute la magie que ça peut avoir. Et puis je vous dis à très bientôt sur la chaîne YouTube et puis n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu.